Donc, bonsoir. Ouais, bonsoir, bonsoir à vous tous. Alors, je vous demande un petit instant, le temps que je me mette en... Alors, je vais être tout seul en call, hein, mais c'est juste pour ma voix, que je puisse mieux l'entendre. Voilà, ça va être mieux comme ça. Donc, salut à vous. Ça va être mieux comme ça quand même, on va pas se mentir. Hello, on a mis le petit polo, voilà, on s'est fait beau pour aujourd'hui. Comme d'habitude, quoi, après. Ok, j'arrête, j'étais pas du tout convaincant. Merci Sakori pour ton follow, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tu vas bien. Et oui, quand même. Petite musique. Petite musique. Elle est peut-être un peu forte. Un chouïa. Mais vraiment un. Ouais, un chouïa. Vraiment, là c'est bon, quoi. Du coup, salut Bastien, salut Romaric, salut Steven, salut, pardon, salut Steven, salut Moz, merci Sebouille pour ton quatrième mois, et merci à toi, BG, j'espère que ça va bien en passant, merci aussi Steven pour ton troisième mois. Salut Sacha, salut mon bro. salut Army, salut à vous tous quoi. Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Bonjour, bonjour, joyeux anniversaire, merci. Merci, merci. J'essaie de faire un petit post sur Twitter, sachant que j'ai pas posté sur Twitter depuis un moment, quoi. Donc ce que je vais faire, je vais juste vous mettre un temps en fond. Du coup, j'espère que tout le monde va bien. Merci pour tous ceux qui m'ont souhaité mon anniversaire aujourd'hui. J'ai répondu à personne, j'avoue, encore. Donc je le ferai après. Et je vous remercie tous, pardon, en tout cas. Ouais, je vais juste mettre un petit temps en fond histoire que vous ayez quelque chose à regarder. Tu veux un Mute City? Ah oui! Ah oui, le Mute City quoi. Genre Mute City. Ils t'ont dit quoi, SFR? Ils m'ont rien dit de particulier, du coup. Enfin, c'était hier. C'est hier après-midi qu'ils sont venus, donc bon. Ils m'ont rien dit de vraiment foufou. Juste que c'était un problème lié au câble, quoi. Donc, du coup, fallait qu'il ressoude le câble. Mais il me semble que c'était ça. Manip le crack, merci, merci, merci. Ouais. Faudra que je te montre un clip d'un bug que j'ai eu en toi de ponce. Je t'enverrai un MP Discord. Suis sûr que tu as jamais vu une chose pareille. Peut-être. C'est possible. Et merci, Lodi, pour ton quatrième mois de Prime. C'est le toi au passage, pardon, j'espère que ça va bien. Ça te fait quel âge là? Tu te fais vieux? Ouais, 21 ans. 21 ans. Est-ce qu'on peut dire que je me fais vieux à 21 ans? Est-ce qu'on peut le dire? Franchement. Je sais pas, hein, mais... J'ai pas une photo de moi bien... Je vous montre pas parce que forcément, il y a des photos. Je me dis, bon, si elles apparaissent en stream, je suis... C'est ban. Disons que j'aime bien l'humour, quoi. Ok. C'est quand même drôle que j'ai... Putain, ça, je prends jamais de photos de moi. C'est vraiment fou, ça. Quand je prends une photo, c'est pour me foutre sur un CV ou sur un truc du genre. Du coup, forcément, je prends que des bonnes photos. Enfin, j'essaie en tout cas, je suis pas très photogénique, ça. Je pense que vous l'avez remarqué. Non, je sais pas. Putain, c'est où? Oh, pire, je vais redescendre, hein. J'ai bien. En fait, j'ai des photos, c'est trop. C'est trop en dos pour que je les mette. Oh, je vais mettre ça! Je mets ça. Ah, je vais mettre ça. Hop. Ah putain. Attendez, je vous le montre pas tout de suite. Je vous le montre pas tout de suite, vous allez voir. J'ai envoyé le lien du tweet. Merci pour le ou les subgifts, je ne sais pas. Je vais voir après.
Voilà. C'est parti, le tweet est là. Contrôle C et je vous le mets dans le chat, hein. Je pense qu'on est pas mal en vrai. Voilà pour ceux qui veulent aller voir cette belle photo. Du coup. Tu te fais pécho de fou. Cette masterclass. Non mais en vrai c'est marrant je trouve. C'est marrant. C'est vrai que je poste jamais sur Twitter donc puis faut marquer le coup quoi. Ah putain. Sur la photo il y a écrit Jolan le. Bah en fait c'est mon nom de famille. C'est mon nom de famille, donc je peux le dire, hein, le Palek. Mais forcément, c'est gros souvenir, quoi. Jojo. Jojo. Oh putain. Alors, les oraux, ça va, ça a été. Il me reste encore un oral après-demain. C'est pour ça que je vais pas trop durer sur ce stream-là. Pas trop, trop. À 13 ans, j'avais déjà posé la question si t'avais redoublé. Ah non, j'ai jamais redoublé. Enfin, est-ce que arrêter la fac sur la première année, c'est redoubler? En vrai. Pour changer de filière. Parce que pour moi, redoubler, on parle de redoubler que quand c'est les premières années, tu vois. Attends, attends, Teddy, j'allais remercier après. Je voulais juste voir un peu les messages qu'il y avait. Attends. Parce que encore, il y a des pavés au-dessus et tout. Attends. Du coup, merci Teddy pour tes 5 subgifts à Wolf. Jérôme, Just When, juste When peut-être. Kankei et Gaoli, merci aussi. Ye Skudai, ce PG pour ton deuxième mois, merci gros. Merci, merci. Streamer pas reconnaissant. Oui, bah désolé, hein. Désolé. Mec, tu ressembles à un Norland de One Piece sur ta photo. La même pose et tout. Oh putain. Attendez, juste le temps de lire. Non, non, si je vous mets ça, il y en a qui vont être traumatisés si je mets ce temps-là. Il fait peur le temps un peu. Mais au premier sens du terme, il fait vraiment peur. Ah ouais, ça. Oh putain. Ah ouais, ça fait plaisir quand même. 21 ans, bordel, ça date d'il y a 13 ans pour moi. Ça doit être marrant quand même de voir vos petites têtes. À 13 ans. À 13 ans, il y en a. Oh, j'ai oublié de changer du coup. Maintenant, j'ai 21 ans. Sur mon Twitter. Bah ouais. Logique quoi. 21 ans, go States. Au States, pardon. Bah, maintenant que j'ai la majorité internationale. Internationale, oui, je vais y arriver. Ça peut se faire. On va se boire une petite binouze. Puis c'est parti quoi. C'est pas la première fois qu'ils ressoudent ta fibre, il me semble. Non, c'est pas la première fois. Donc c'est qu'ils font mal leur taf. En plus, je l'ai dit, c'est quand même bizarre parce que la dernière fois, le gars, il est venu pour faire exactement la même chose. Il doit y avoir un problème avec le câble ou quoi. Donc là, il m'a dit, là, ça devrait tenir. D'accord. D'accord, bon, bah, bizarre, mais merci, du coup. Alors, salut Play, plein de messages de bonheur envers ta personne. T'es le mec sur Internet le plus gentil que je connaisse. Et t'es surtout le gars qui m'a fait découvrir la commune Mario Kart en mars ou avril 2021, en fin de live. J'ai follow, je regrette pas de l'avoir fait. Je me souviens que ton live à Nive de tes 20 ans était vraiment cool. En été 2021, c'était incroyable. Aussi surtout les Warfun avec la R, 1 sur 2 ou 3, on sait plus. Enfin 2021, début 2022, c'était vraiment pas la fin pour toi avec ta pause que t'as dû faire et honnêtement, ça devait être le bon choix. Ensuite, quand on m'a dit que t'étais au Caridon, j'avoue que j'étais très bien. Puis 20, cet event magnifique, c'était clairement le meilleur moment que j'ai passé sur internet. Mes streamers préférés réunis pour la bonne cause.
By the way, j'ai gagné le VIP des 100K pendant ce week-end. Et ça, je pense que c'est une belle preuve de fidélité envers cette chaîne. Donc tu mérites un max d'amour. Voilà, un max d'amour pour toi. Puis vendre le FFS, c'était juste... c'était juste beaucoup trop fou. Et là, tu as inventé un nom déjà, joyeux anniversaire Play. Merci, merci, merci. J'essaie de voir un peu tous les messages, merci. Merci à Reku. Merci, merci, j'espère que tu vas bien, gros. Merci à Nizi, salut Tom, aussi, merci. Merci aussi Chineo Diamant. Merci aussi Isem, merci. J'essaie de remercier, j'essaie de voir un peu tous les messages, je suis désolé. Bonjour, j'ai entendu dire que c'était l'anniversaire de quelqu'un ici aujourd'hui, donc joyeux anniversaire Play. Merci Sophie, merci, merci. Wesh la street cred, alors ça fait quoi d'être majeur partout dans le monde? Mec, c'est trop bien, quoi. Le fantôme, il repasse deux fois, c'est fou ça aussi, en vrai. C'est fou quand même. La personne la plus gentille, ça se voit que la personne n'est jamais passée sur un live de AR Luckies. Waouh! C'est vrai que t'es dit quand même, c'est un mec en or aussi. Emile bof. Ça dépend, il y a des jours il est ok. Il est ok tiers, il y a des jours où il est c'est moi ça. Excuse-moi, je suis un connard. Tu regardes dehors en stream dans TMP Discord, j'ai un petit cadeau. Ah! Et bah, j'irai voir ça après, du coup. J'irai voir tout ça après. De toute manière, aujourd'hui, j'ai taffé toute la journée, donc j'ai pas pu check tous les MP que j'avais. Parce que j'ai pas arrêté, en plus, on m'a fait bosser un peu plus tard aujourd'hui. Donc très clairement, je suis rentré, j'ai bouffé deux gâteaux, et tout de suite, je vais partir en stream. Donc en vrai... Gémo, tu connais, je suis bipolaire, mec. Je suis Gémo aussi, hein, oublie pas. Faut pas faire de ton cas une généralité, quoi. Ok, j'arrête, pardon. Je suis trop méchant. Non, mais en vrai ça fait super plaisir, en vrai. Y'a plein de bonnes anives. Ouais, merci, Maxou, merci, merci. C'est ce genre de moment où t'essaies de pas te forcer pour en dire toi aussi. T'sais, le fameux truc du... Quand le serveur te sert et qu'il te dit bon appétit messieurs et que tu dis toi aussi, bah non du coup. bah non, lui il sert juste les plats quoi, il va pas bouffer tout de suite. Pas vraiment. Merci merci X456 pour ton follow, merci à toi, j'espère que tu vas bien. Et merci aussi Jouzam pour ton 5e mois pendant d'abonnement. Merci, merci. Et merci aussi du coup pour le joyeux anniversaire forcément. Ouais, j'espère que vous avez passé un bon début de semaine les amis, j'espère. Donc ouais, comment est-ce que ça va se passer si on peut... Juste vite fait pour le reste de la semaine. Sachant que après-demain, j'ai mon dernier oral et que j'aimerais bien... du coup, bien poncer mon oral. Demain, pas de stream et jeudi, pas de stream. Parce que je vais avoir beaucoup de routes à faire juste pour un seul oral. Je vais être un peu éclataxe. Je vais pas vous mentir, je vais être un peu éclaté. Je t'étais Montagne Choco, donc non, ça va mal. Comment ça, c'est le jour de mon anniversaire et tu vas mal, toi? Super. Super, le gars, quoi. Salut, joyeux anniversaire, pardon. Merci, Teruto. Salut à toi, j'espère que ça va bien. Salut, salut. Donc, ouais, je suis juste un peu dégoûté. Forcément, je me dégoûte un peu moi-même, je dis bien. Parce que je suis un connard qui... Franchement, on va dire que cette année... Cette année, elle s'est... Ah! Attendez, j'ai perdu un tampon. C'était quoi ce bruit? Waouh! Waouh! J'ai vraiment perdu un tampon, sa mère. Ok. Alors, ce que je vais faire, c'est que si ça vous dérange pas, pour éviter ce genre de truc où je perds mon souffle pendant 20 secondes. Je me mute. En vrai, c'est un mec, non, ouais, c'était Teddy. Je l'ai reconnu 100%, c'est Teddy. Et merci pour le joyeux anniversaire en passant. Ouais. Su. Et tu fais le tirage au sort quand tu DT Lounge. On peut le faire après, sinon. On peut le faire après. Du coup, je sais plus ce que je disais au final. Oui, j'ai passé... En vrai, mon année a été cool. Là, je parle de mon année
de l'année de mes 20 ans. Forcément, les 20 ans, première année des 20, voilà. Première année des 20 qui s'est très, très bien passée. Disons que j'ai appris pas mal de choses, je me suis lancé surtout dans... Je me suis lancé des objectifs. J'ai eu des périodes de bas, des périodes de haut. Voilà. On va dire que moi, c'est un peu... c'est... Moi, ça fait des vagues, on va dire. Mon mood, il fait des grosses vagues. Un coup, ça va. Un coup, ça va pas. Un coup, ça va. Pendant quelques mois, ça va. Et d'un coup, pendant un petit temps, ça a pas allé. Voilà, c'est moi. Ça dépend aussi de ce qui peut se passer IRL. T'es Gémeaux, mec. What the fuck. On l'appelle la chirouette. Ouais. Ouais, ça dépend dans quel sens tu veux le dire, ouais. Josani, Jolan, merci Kaiser, merci gros. Bowser squelette, paracourt ou azur, Data Plan en papier, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, pas sûr, mais merci du coup. Merci. Non, forcément, il y a eu des moments, moins bien, des moments de très très bien. Donc forcément, ça fait du bien. Forcément, je peux être que être heureux. Enfin, ça, c'est ce que je suis censé être heureux. Attends, mais je passe vraiment pour un gros Dark Sasuke, ça me casse les couilles. Non, ouais, c'est pas ça, mais bon. Forcément, mes moods peuvent varier. Waouh. Mais c'est vrai que j'ai quand même vécu... j'ai quand même vécu le FFS. Le FFS. Hein, on va pas se mentir. J'ai quand même vécu pas mal de choses. Là, on va dire que mon début d'anniv, sur le début de cette année en tout cas, d'anniversaire, wow, c'était très bizarre. Là, il va y avoir Mario Striker qui sort vendredi, oubliez pas. Bien sûr, je vais bosser toute la journée vendredi, mais si on peut, avec l'AR, dès que je reviens, on se fait des streams sur Mario Striker. On va essayer de poncer le jeu et surtout, on va essayer d'être au top. On va essayer d'être au top avec l'AR. Ça va être le premier point. Puis surtout, l'année qui va arriver là, ça va être une année... Alors, ça va être une année très décisive pour moi, mais surtout peut-être l'année... L'année qui va faire que soit je continue Twitch, soit je vais autre part. Ça va être une année... très 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 charnière pour moi. Voilà. Alors juste je prends le combo. Alors Bowser squelette, Paraco, roue azur. Alors Paraco c'est plus haut. C'est là. Roue azur, elle en papier et un joyeux anniversaire. Let's go. Premier message, joyeux anniversaire. Merci Ratatouille. Merci et bienvenue sur la chaîne. Enfin, à moins que tu étais déjà là avant, mais sait-on jamais. D'ailleurs, sûrement Nintendo Direct demain pro. Demain pro. Le demain. Demain prochain, genre. Semaine pro. Putain. Excusez-moi. Demain prochain, putain. Je me sens pas bien, les gars. C'est les hauts et les bas, c'est juste la vie, personne n'est toujours au top. Ça serait pas humain. Apprendre à vivre avec et comment s'adapter permet aussi de s'épanouir, c'est vrai. C'est vrai, mais bon. Voilà, je vais essayer de faire, de mettre des concepts en place. Là, j'ai pu économiser pas mal de thunes. Pas mal de thunas. Donc, je vais essayer de... je vais encore essayer d'économiser et voir ce que je peux faire pour améliorer la qualité de ce stream. Qui en aurait beaucoup besoin. Voilà, pourquoi pas essayer de faire des events pour développer la chaîne, pour pouvoir faire des plus gros events après, voilà. On va essayer de faire des choses durant cette année sabbatique. Parce que malheureusement, j'ai pas pu laisser libre cours à mon art.
Pardon, je déconne, je prends la grosse tête. Mais je peux plus laisser libre cours à mes envies. Durant mon année. Parce que forcément, réviser pour ces examens, pour tous les évals, etc. Ok, merci. Faire des streams en plus, bosser en plus, c'est compliqué. Donc j'essaie de faire de mon mieux pendant... J'ai essayé de faire de mon mieux, pardon, durant cette année. Tout comme mon année 2020, d'ailleurs. Merci, merci Dark Arolf pour ton follow, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tu vas bien. Voilà, j'essaie... Ah, par contre, il a pris le même combo que moi avant. J'essaye, comment dire... d'être de plus en plus présent pour vous. Voilà, j'essaye de... Bon, ça serait mentir de dire que j'essaye d'innover parce que bah, je peux pas vraiment. Vous l'avez vu, j'ai mis un nouveau cadre, etc. J'ai fait des nouvelles choses. Mais voilà, l'innovation est pas encore là. Il y a des idées en tête. D'ailleurs, c'est bizarre parce que le jour de mon anniv, je fais un rêve où j'ai une chaîne YouTube avec des miniatures de bâtards. Genre, je suis un gros YouTuber putaclic avec des putains de miniatures. C'est bizarre, ça. Peut-être que mon rêve a prédit mon année. Peut-être. Tu feras d'autres jeux? Oui, bien évidemment que je ferai d'autres jeux. Play m'a guéri de mon appendicite du cul, merci à toi. Je sais, je peux tout soigner, mec. Ah, attends. Bizarre. Rêve prémonitoire, peut-être. On sait pas. Ton rêve YouTuber lifestyle. YouTuber beauté, direct. Direct. Accessoirement, on a eu une maintenance des serveurs online de 8D cette nuit. Je crois que c'était entre 1h et 2h du mat. La dernière fois qu'on a eu une maintenance comme ça, c'était une dizaine de jours avant la sortie de la vague 1. Avant le tweet que j'ai mis dans General MK sur ton cerveau, ouais, j'irai check après. J'irai check tout ça après. Mais, si le prochain DLC MK sort fin de mois, comment vous dire qu'on va se mettre bien si jamais c'est ça? Tu commences... ton mois de juin avec Mario Striker, et après, fin de mois, t'as les DLC de Mario Kart. Là... Waouh, non, mon micro, je veux pas que mon micro parte avec. Là, c'est vraiment... Souvent, maintenant, c'est MK, une semaine avant Nintendo Direct, il y en a, ils ont dit, une semaine avant. Parce que encore, si c'était 2-3 jours avant, pourquoi pas, mais une semaine avant, pourquoi faire une mise à jour une semaine avant? Ou alors ils font une semaine avant, histoire que les gens puissent se dire « Oh, il y a eu un truc sur Mario Kart !»« Waouh, il y a eu une mise à jour, what the fuck, je comprends pas. » Ouais, je sais pas. L'idéal serait le 17 juin, du coup, pour la vague 2. Non, pas 17 juin. L'idéal, ça serait fin juin. Mais vraiment fin juin. Je sais pas quand tombent les autres vendredis. J'ai regardé. Re, Elodie. Re. On a quoi, le 17? Ouais, le 24. Le 24 serait beaucoup plus approprié, je pense. Comme ça, ça fait 2 semaines après Marvel Striker, et puis voilà. C'est pas sûr pour direct. Oui, j'imagine que c'est pas sûr pour direct, mais... Dommage, ça aurait été beau comme cadeau d'anniversaire. Qu'il y ait une annonce de Nintendo Direct. Ça aurait été beau. Mais ouais. Si tu te mets à faire du putaclic, c'est pas méchant, mais ça me décevrait de ouf. Non mais bien évidemment, je suis pas du putaclic. Non, non mais j'aimerais bien faire des concepts. Parce que de base, je suis un mec qui adore le risque. Donc j'avais déjà les idées de Nathaniel. C'est ça, ça je crois le nom du youtubeur. Nathaniel. Genre finir les jeux avec... Enfin sans prendre de pièces, etc. C'est le genre de truc que j'aurais aimé faire parce que c'est le genre de défi que j'adore me lancer sur les jeux. Et du coup, à voir ce que je peux faire. Nathaniel Bandy, ouais, exactement. Mais sachant qu'il y a déjà... deux youtubeurs qui font ce genre de vidéos. En France, je dis bien, ça me fait un peu chier. Tu leur as parlé de ton idée de compte OnlyFans, du coup, pas encore. Pas encore, mais ça avance doucement. ça avance tranquille, quoi. Bon, j'ai fait de la merde sur la fin, mais excusez-moi. J'avoue que je regarde pas du tout ce que je fais.
Tu ferais quoi comme décor? Je sais pas trop, parce que là, j'en discute en... Enfin, j'essaie d'en discuter un peu avec mon père. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire sur mon décor? Alors, excusez-moi, vous allez voir mon lit, mais surtout mes gâteaux qui traînent derrière. Oui, j'ai mangé un petit peu. L'idée, ça serait de décaler le lit. Voilà, là, ça, c'est mon lit. Le but, ça serait de le décaler. Hein? Parce que le lit, il prend trop de place. Il est trop présent. Il est beaucoup trop présent dans ma chambre. Donc, l'idée, ça serait soit un lit, une place. Du coup, bah, il serait vers là-bas. Soit un lit en hauteur, comme ça, toute la place, elle serait en bas. Voilà. Ou alors, j'enlève le lit. Et à la limite, je dors sur mon siège tout le temps. Voilà, je me mets le plaid qui est juste derrière moi, là. Et on va voir ce que ça fait, peut-être. Pas publié One Piece? Si, si, on voit Luffy. Bon, il tire une sale gueule, mais il est là. Je vais y arriver, il est là. Il est là, Luffy, avec son chapeau de paille, là. T'inquiète pas. Mais ouais. Donc ouais, le but, ça serait de faire de la place au milieu de ma chambre afin que je puisse mettre un fond vert, je sais pas. Un fond vert, je sais pas, mais au moins un truc qui puisse isoler la profondeur de ma chambre. Parce que ma chambre, elle est beaucoup trop grande. Voilà. Beaucoup trop. Donc à voir ce que je peux faire là-dessus. Ça sera un objectif. Ça sera un objectif 2000, fin 2022, du coup, sur mes 21 ans. Parce que j'aimerais bien pouvoir faire des réactions. Hein, voilà. J'aimerais pouvoir faire ça. Parce que du coup, ce que je veux faire, oublie pas que un de mes objectifs principaux aussi durant cette année sabbatique, c'est bah déjà de me développer sur Twitch, hein, ça vous l'avez compris, mais c'est aussi de développer ma culture. Développer ma culture générale. Donc, si je peux développer ma culture générale en stream, en essayant de réagir à des choses ou quoi, on peut essayer de faire ça peut être cool. La culture, exactement. La culture. Ça pourrait être sympa, tu vois. Merde, putain. Bonjour, je viens d'arriver. Bonne année, merci Weebort. Merci à toi. Merci, merci. Marofoot plus DLC, plus Cité des Vestiges, plus Japan Expo, plus Cité de l'Infini. D'ici fin juillet, on va manger. On va manger Gucci, on va se mettre très bien, ouais. Qui se souvient du live react des vidéos comparatives? Je me souviens que ça vous avait plu. Le fait que je montre une chaîne comme ça, il y en a beaucoup, ça... Enfin, y a beaucoup. Façon de parler, mais il y en a avec qui ça avait plu en tout cas. Non, moi, je trouvais ça cool de pouvoir réagir à d'autres vidéos comme ça pourrait être sympa. Évidemment, faire d'autres réactions en tout genre, mais. Bien évidemment, faire des jeux aussi. Faire d'autres choses. Aussi, un de mes buts à long terme, ce serait de racheter un nouveau PC. Voilà. Parce que mon PC ne suffit pas aujourd'hui pour faire de la très très bonne qualité. Malheureusement. D'accord, le mec il a plus cut alors que l'aiguille elle était ultra large. D'ailleurs, pause d'un mois du manga après le prochain chap, je crois. Attends, tu parles de quoi? Ah, de One Piece? Non, si One Piece ils font une pause d'un mois, déjà que Black Clover ils font une pause d'un mois, de 3 mois eux aussi, pardon. Non, ça serait trop quand même. Même si Oda, j'avoue, ça fait je sais pas combien de temps qu'il a pas pris de vraies vacances. Je te l'avoue, ça fait longtemps. C'est un peu longuet. Ça serait mérité. Juste ton anniv, oui, c'est mon anniv aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Eh oui. Ça se trouve, il n'y aura aucun direct durant l'été. Non, ils peuvent pas nous faire ça. Je meurs s'il n'y a pas de direct durant l'été. Mais je me dis surtout que le fait qu'il y ait des DLC Mario Kart, je vais du coup avoir 5 chances supplémentaires afin de pouvoir me développer. Je m'explique. Comme vous l'avez vu sur la première période de DLC, bon, certes, il y a eu l'avant FFS, mais. Sur la première période de DLC, j'avais beaucoup, beaucoup de viewers. Je pense que vous l'avez vu. J'étais monté, je crois, à presque 450 viewers pour le premier DLC. Pour 450, 500, je sais plus, à un moment, je crois. Et c'était assez bien, c'était assez constant.
et je réussissais à avoir une bonne moyenne. Donc je me dis que le moment où les DLC vont arriver, si je peux réussir à canaliser les viewers qui viennent, ça peut être cool quoi. Ça peut être sympa. Plus retour de Hunter x Hunter, Berserk et un autre, je sais plus lequel. Comment ça le retour de Berserk? Genre l'auteur il a ressuscité. C'est ça? Je sais pas comment il s'appelle, Miyu. C'est ça? Non, parce que normalement, je pensais qu'ils avaient mis fin. Je pensais qu'ils avaient mis fin au manga, bah, du coup, pour préserver. Préserver l'œuvre. Je dois y aller, la salle m'attend. Bonne journée à toi, et encore un joyeux anniversaire. Passe une excellente journée, et gros love sur toi. Bah, gros love sur toi aussi, Limonade. Entretiens-toi bien, hein, voilà. Entretiens-toi bien, et puis voilà, quoi. Kentaro Miura, pense. Mais Imo, il y a dû y avoir un passement de flambeau. Je pense parce que l'œuvre. Je pense que l'œuvre était. Ou alors peut-être que le dernier chapitre a un peu déçu. Et du coup, ils se sont dit non, on peut pas laisser les fans sur ça. On peut pas. Ou alors c'était en attendant qu'ils créent une suite assez cohérente. Non, pas coréenne. Cohérente. Peut-être ça aussi. Ça se pourrait. Tu connais un peu la bande dessinée, vu que niveau manga tu as l'air calé, c'est pas un monde si éloigné, ça pourrait te plaire. Et je parle pas d'Astérix et Tintin. La bande dessinée, non, mais je pourrais lire en effet des comics, par exemple. Genre tous les comics Marvel. Parce que c'est souvent que il y a des films sur un personnage. Genre je pense par exemple au prochain Thor. Je crois que prochain Thor, ou je sais plus si c'est vraiment le prochain ou pas. Apparemment, il y a un tueur de dieux qui arrive pour le prochain Thor. Et apparemment, c'est des personnages qui sont connus dans le comics, etc. Donc c'est vrai que ça pourrait être sympa de s'y mettre. À voir, en vrai. Son pote qui l'aide à dessiner le manga reprend le flambeau. Ah ouais? Stylé. Magnifique, merci Thanos. Merci, Juan. Attends, on parle de Marvel, il y a Thanos qui arrive dans le chat. Ah, salut à toi, mec. Comics, ça c'est bien de fou, mais tu vas te perdre. Ah ouais, je vais me perdre à ce point-là. Tu peux changer la compo si tu veux. Oh, oui, c'est vrai, je peux la changer. Il est vrai. Il y en a un qui m'a dit de jouer Météor tout à l'heure. Faut que je la joue. Mais ouais, donc développer ma culture, ça va être quoi durant cette année? Là, j'ai vu pour mes 20 ans. Pour mes 20 ans, j'ai vu pas mal d'animés. Et j'ai essayé de commencer des séries, mais bon, j'ai eu un peu de mal. Je pense que j'ai voulu aller trop vite au début. Donc j'ai regardé Alice in Borderland. J'ai regardé quoi déjà, putain? Alice in Borderland, et c'est quoi l'autre série coréenne? Coréenne, putain. Squid Game. J'ai vraiment du mal. J'ai vraiment du mal, putain. Bonjour, je vais manger plus, Nicolas, salut, gros. Bouge bien. Y'a pas un gars qui a 550 000 points de chaîne. Waouh! Quand même. Ça serait beaucoup. Mais c'est possible. Donc ouais, pouvoir regarder, comment dire? Je vais y arriver. Là, je vais finir Naruto. Naruto, je pense que d'ici fin de mois, je le finis. Même avant. C'est possible que Naruto, dans une semaine, je puisse le finir. Si jamais j'ai un bon rythme, Naruto, dans une semaine, je le finis. Du coup, je l'aurais regardé en un mois. Après, ce serait quoi? Je pense qu'après Naruto, il va me rester peut-être Spike's Family. Forcément, tout le reste, hein, je vais suivre tous les mangas qu'il y a. Et après, ça va partir sur, je pense, les séries d'abord. Parce que les séries, c'est là où je vais avoir aussi pas mal de retard, pas mal de choses à voir. Donc les séries, je vais regarder du coup Stranger Things avec la saison 4 qui est arrivée.
Parce que j'ai jamais regardé Stranger Things, je sais même pas de quoi ça parle en fait. Donc je vais avoir ça à regarder, je vais avoir beaucoup de séries. Et après on partira sur les films. Ouais, on va partir sur les films après. Kaamelott, faut que je m'y remette parce que je l'ai regardé de la mauvaise manière, sur le mauvais site surtout. Mais je me demande si ça marcherait si je faisais des réactions. Si je faisais des réactions à des séries ou quoi. Je sais pas si ça marcherait de fou ou pas. Parce que j'allais dire, autant partager selon les séries. Ah, j'ai un appel. Je peux pas vous prendre. Je sais pas qui vous êtes. 0608, connais pas. C'est bizarre. Ça serait noté sur mon téléphone si je connais ça. Réponse, c'est moi. Comment ça, c'est toi? Merde! Non, je me disais aussi. Comment t'as eu mon téléphone? En vrai, t'es dit, aurait pu te le filer, mais. Oh putain de merde. Est-ce que je peux le toucher de là? Non, ça aurait été trop beau que je le touche. Ah, skip. Tu sais que Samuel tient une chaîne YouTube Kaamelott? Oui, je sais. Je sais. Il a d'ailleurs fait une vidéo avec Astérion le bon, me semble-t-il. Comics américains, je pensais plus aux bandes dessinées européennes. On a des créateurs de fous, loin des clichés super-héros que j'adore aussi, mais ça change. Ouais, mais ce que je veux, c'est vraiment commencer par le plus gros. Black Sad, de Cape, Crocs, ça fait bizarre Crocs dit comme ça, Lunfust, Universal War One, peut-être que ça peut m'attirer, mais vraiment, ouais, les commencer par les plus grandes bases, pour moi. Après les animés, parce que j'ai regardé beaucoup d'animés, après les animés, pouvoir regarder les séries, parce que j'ai beaucoup de séries à voir. Je pense que les séries, ça va me durer 3-4 mois, le temps que je regarde tout ce qu'il y a, rattraper toutes les séries les plus connues, etc. Il y en a qui vont me prendre beaucoup plus de temps que d'autres. Parce que j'ai vu The Walking Dead, j'ai vu Breaking Bad... Là, j'ai vu Breaking Bad aussi. Là, il va falloir que je regarde Game of Thrones, Stranger Things, voilà. Et là, il y a plein d'autres séries encore qui ont plein de saisons et que j'ai pas vu. Je sais pas pourquoi j'avais en tête que c'était du miroir. J'ai vraiment cru que c'était du miroir ce que je faisais. Pensez à regarder dans le Switch Online les photos de profil, c'est super beau. Faut que j'aille voir après aussi. Faut que j'aille voir ça. T'as regardé Aohashi? Non, pas du tout. Après, j'ai regardé pas mal d'animés, mais pas. Voilà. Il y a quand même des classiques que j'ai pas. Mais mon but, ça serait de réussir à être incollable sur les trucs les plus connus. Tu vois? Genre, je veux avoir vu tous les Harry Potter, tous les Seigneurs des Anneaux, etc. Tu vois? Manif mec, t'as quel âge? Merci Red Balcon. C'est ça? Ouais, je vais t'appeler comme ça, je pense. J'ai 21 ans, pour répondre à ta question. Je viens de les avoir. D'ailleurs, je crois que je suis né à 11h32. Voilà, info dont tout le monde s'en bat les couilles, mais voilà, peut-être que ça intéresse certains. C'est pas l'ascendant? L'ascendant qui se fait en fonction de l'heure à laquelle t'es né. C'est pas ça? T'as pas vu tous les Harry Potter? Non? Ah. Oh lui, j'ai senti la rouge. Et je l'ai senti. Genre les capitales... Après, apprendre les capitales, ça peut être bien aussi. Hein.
En vrai. Du coup, tu vas changer ta bio Twitter? Oui. Ma bio Twitch aussi? Ah oui, bah du coup, t'as dit Twitch, donc oui, je vais faire les deux. Minuit, je crois, perso. En vrai, je me demande si le. Eh, putain, il y a des gens qui sont nés à. Bon, après, c'est obligé que ce soit déjà arrivé, mais. Personne née le 1er janvier à minuit. 1er janvier, le premier bébé du millénaire à 20 ans. Putain. Putain, l'article du 1er janvier 2020, quoi. Durée de la vidéo 2 minutes. Putain. Ouais, pour du coup la vidéo, je vais pas la regarder, mais putain. Si ça veut. Mais oui, je vais changer. Les films te racontent très peu pour Harry Potter, Tu m'as déjà dit que tu faisais au plus rapide, mais je suis un puriste d'Harry Potter, vive les livres. Je sais qu'il y a beaucoup de puristes, mais moi je veux vraiment faire comme, ouais, comme tu dis, au plus rapide. Même si je sais que c'est beaucoup mieux de lire les livres, d'aller voir les livres pour Harry Potter, je veux vraiment faire, voilà, tout d'un coup. Donc, si jamais... enfin, je vais me faire une grande liste de films. Avec un Excel, ça pourrait être sympa. Ou alors, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je fasse un Excel interactif. Genre, je fais un Excel que je peux ouvrir à tout le monde. Enfin, ouvrir à tout le monde, genre, vous avez pas le droit d'écrire dedans. Mais juste pour que vous puissiez voir ma progression, si vous voulez. Comme ça, je fais un Excel et je mets où est-ce que j'en suis, dans quoi. Et du coup, je barrerai à chaque fois. À chaque fois ce que j'ai vu ou quoi. Ça pourrait être cool, je pense. Joyeux anniv, Play, merci Link. Merci, merci. Merci aussi Yeboy et Pipou. Oh, je sens que je vais me faire klaxon. Ça fait une heure que j'ai ce combo, mais je l'aime bien ce combo. Ouais. Excusez-moi d'avoir lu les livres. Excusez-moi, excusez-moi. Hello, joyeux anniv, merci l'intrigant, merci. Et ouais. Mais non, je sais pas si ça pourrait être une bonne idée, ça. Parce que peut-être qu'il y en a que ça intéresserait de voir mon avancée. Et comme ça, vous pourrez voir la liste. La liste de ce que je veux voir durant. Durant. Bah, mon année sabbatique, du coup. Putain, j'ai eu un bilan 4. Je sais que le mec devant il est loin, mais quand même. C'est un bon build. C'était un moins bon bac verte, ça. Pas grave. J'aime trop la paraco jaune, mais Bowser et Wario sont lourds. J'avoue que c'est un peu lourd quand même. Hein. Un peu chiant. Non. Non, en vrai, le combo est cool, ça va. Le combo est bien. Ouais, bon. arrêtez. C'est bon, j'ai compris. Un petit choc, non? Allez, après ça, je pars sur la météore si j'oublie pas. Joyeux anniversaire, merci, merci Lucie. Merci, merci. Hello Play, très bonne année à toi. Merci aussi Linkos, bien sûr. Merci gros. Merci, merci. D'ailleurs, Linko, ça fait plaisir parce que je vois que tu montes de plus en plus sur Twitch. Bah, de ce qu'on m'a dit en tout cas. Apparemment, tu fais une belle ascension sur Twitch, donc ça fait très très plaisir. Très plaisir. Que la commu MK puisse se développer. Linkos. Ah ouais, Linkos. Qu'est-ce que je voulais prendre? Oh, un petit Donkey Kong. Un petit Donkey Kong, voilà. La météore, c'est quoi? C'est la... Non, c'est pas celle-là. La météore, c'est ça. Ouais. Ouais.
Après, j'ai rien contre les films en eux-mêmes. C'est à moitié ironique, on va dire. Ouais, c'est plus que si tu veux que ce soit fiable à 100%, lis les livres, quoi. C'est ça. Et salut Yaya d'ailleurs au passage. J'espère que ça va bien. C'est bien de s'intéresser à plein de supports différents pour les œuvres et comme pour les voyages, on sous-estime trop souvent le potentiel qu'il y a localement. Pourquoi n'aller que vers les médias américains, comics et Hollywood, ou que le Japon? Varier les plaisirs, c'est cool aussi. Bah en soi, le manga, c'est l'univers japonais. Donc en soi, j'apprends de l'univers japonais qui est très réputé dans le monde. Et les séries, c'est beaucoup plus américain. On va dire pareil pour les films, en soi. Joyeux anniversaire, des bisous, merci Claire. Merci, merci. D'ailleurs, comment ça va de ton côté? J'espère que tout se passe bien. Magnifique play, que du bonheur et des bonnes choses. Merci aussi Nadir, merci à toi. Mais ouais, le support. Bah après, les films, quand je dis les films. Non, ouais, les séries, c'est surtout américain. Est-ce que je regarderais des films, des séries françaises? Si, les séries humoristiques peut-être, pour avoir certaines références. Mais pour le reste, merci Mos pour le subgift à Linkos. Merci, merci. Quel énorme BG. Bon anniversaire mon gars, merci gros, merci. Alan, va falloir qu'on se fasse un truc. Du coup, c'est demain d'ailleurs que tu vas voir... Jurassic World. Enfin, le nouveau Jurassic, je crois qu'il s'appelle. Nouveau Jurassic Park. Bien ça, méga BG, je t'offre ce cadeau. J'espère que tes examens sont bien passés, nickel. Bah ouais, Polo, ils se sont bien passés. Enfin, en tout cas, jusque-là, c'est bien passé parce qu'il me reste encore certains de mes examens. Et j'ai hâte de finir. Là, mon dernier examen, c'est après-demain. Après-demain, donc là je stream pas demain et je stream pas jeudi. Histoire de m'y préparer, puis voilà quoi. Ah putain, je crois que j'avais dérapé. Ah, c'est longtemps, j'ai plein de trucs à te raconter, j'espère que de ton côté tout va bien. Bah ouais, écoute. Ça va, ça va. Bon, comme d'hab, hein, du haut, du bas, mais bon, on fait avec quoi. Ça fait des montagnes russes. Mais là, c'est mon anniversaire, donc on profite quoi. On profite. Mais ouais, du coup, pour finir vite fait ce que je disais, les mangas, ça a permis de voir tout le côté japonais. Donc, beaucoup de ça. Bah, j'ai vu que de ça presque. Après, voir tout ce qui est américain avec les films. Les films, donc beaucoup d'Hollywood. Hein. Les films, les séries. Ça peut être cool parce qu'il y a beaucoup de très bonnes séries. Bon, après, voir aussi du niveau coréen ce qui peut se faire, parce qu'eux aussi, ils font des bons trucs. Donc, rien que ça. Après, pour les films, voir du français, selon moi, du français, et de l'américain. Comme ça, j'aurai vraiment des très grosses bases sur beaucoup de choses de ce domaine-là. De ces domaines-là qui sont importants, d'après moi, dans la pop culture. Ils sont très très importants dans la pop culture aujourd'hui. Et merci Kaiser pour ton troisième mois, merci merci. Incroyable. Pourquoi tu fais pas le tournoi de Ponce en Inward? Parce que je préfère jouer en carte. Tu vas vite. En plus, ça tombe bien parce qu'on tombe sur la bonne map. Moi, tu n'as pas compris, c'est ton anniversaire, c'est ça? Ta gueule, putain. Oui, si que c'est mon anniversaire. Parce que hier, j'ai forcé avec ça, je disais, oh, demain c'est mon anniversaire, tout ça, du coup, bah. Il me le répète. T'as vu Parasite? Alors Parasite, tu me parles de l'anime, si c'est l'anime, oui. Parce que je sais qu'il y a un film Parasite, je crois. Alors le film coréen, je l'ai pas vu. Je crois que ça, c'est un film coréen. Et l'anime, je l'ai vu. Alors du coup, putain, j'ai pas vu tout message, Linkos, fait chier. Attends, faut que je remonte. Yes, bah je m'estime pas mal, c'est sûr. Surtout en diversifiant de plus. Merde. De plus, dans ce que je fais sur MK8D,
et un peu d'autres jeux par-ci par-là, c'est un réel plaisir en ce moment. Profite bien de tes 21 ans, t'inquiète pas, c'est pas vieux. 21 ans, c'est pas vieux? Bah 21 ans, c'est la fleur de l'âge, on va dire. C'est bien 21 ans. Quand, voilà, y a un pote à moi, il est dans ma classe, il a bientôt 25 piges. Je me dis que 21 ans, faut que je profite, quoi. En vrai. Attends, Alan, tu vas au ciné jeudi? Mais dis, attends, t'y vas quand? Parce que si t'y vas jeudi, faut... Si jamais... Bon, au pire, même si c'était avec Sarah, on peut venir quand même, je pense. Mais si jamais t'as pas trop de monde avec toi, je veux bien venir, je suis chaud. Un petit ciné, histoire de se détendre le jeudi. 21 ans avec la gueule de Play, c'est vieux. Moi, j'ai une gueule de vieux, c'est vrai. Mais non, c'est pas vrai. Non, j'ai pas une gueule de vieux. Je te regarde Play, mais je t'aime. Oh, moi aussi, je t'aime, Steven, tu sais bien. Enfin, no homo, comme d'hab, mais voilà. Beaucoup d'amour. De l'amour fraternel. Faire une sabbatique pour regarder tous les tuches, les qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, c'est un bon plan de vie. Bah au moins j'aurai des références quoi. Au moins, quand ma grand-mère me posera pour la 10e fois, t'as vu le film Les Tuches? Bah là je pourrais dire oui. Voilà. Donc au moins j'aurai une référence en commun avec elle, parce que elle c'est les tuches et qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, c'est les seuls rêves qu'elle a je crois. Elle cite que des trucs de ces films là. Donc en vrai... Regarde ça mec, comment ça va, les exams sont bien passés? Ouais, tranquille Cartoons. Tranquille, bah comme je le disais, du coup il me reste encore un exam, mais ça va, ouais. L'herbe est toujours plus verte chez le voisin, je suis d'accord que ça apprend plein de choses intéressantes sur différentes cultures, et connaître celle de sa région, pays, continent, ethnie, me semble aussi important. La culture générale n'est pas que la culture qui y est à l'étranger, mais je comprends parfaitement ton point de vue. En fait, merci Cosmo Live d'ailleurs pour ton follow, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tu vas bien. En fait, la culture étrangère s'est tellement implémentée à la culture internationale que pour moi, ça me paraît important afin de pouvoir se sociabiliser davantage avec de plus de personnes possible. Ça me paraît très important de pouvoir développer cette culture-là. Après, c'est mon avis personnel. Parce que je me dis que... Il y a beaucoup de personnes qui kiffent les animés, il y a beaucoup de personnes qui kiffent les films. Genre, tu vas parler de Seigneur des Anneaux, tu vas parler d'Harry Potter, des gens qui vont être là, ah ouais, trop bien, t'as l'air trop cool comme gars. Non, je déconne, ils disent pas ça, mais... Et vous m'avez compris. Bref, tu peux avoir beaucoup de sujets de discussion différents. Genre, si t'as vu... T'as vu les séries de base, t'as vu les films de base, t'as vu les animés de base, normalement, tu peux discuter, je pense, avec bien 95% des gens de ton âge. Voilà. Mais, ouais, mais un peu plus, je sais pas, mais voilà, 95% de ton âge. Attends, c'est pas ton anniversaire, Play. Attends, quoi? Bizarre. Oh, c'est peut-être mon anniversaire aujourd'hui, quoi, peut-être. Il est probable. Je dois le prendre comment, Play? Mais non, t'inquiète. Le premier, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? C'était drôle, je trouve. Oui? Ah, je dis pas le contraire, mais je veux dire, ma grand-mère, c'est les seules références qu'elle a, quoi. Je sais pas si tu as eu le message, hein. Ah non, ok, tu m'as remis le message, c'est pour ça. Je suis d'accord, mais il faut trouver le juste milieu pour ne pas perdre de son patrimoine, à mon avis. Ah non, mais ça, de toute manière, le patrimoine, je le perdrai pas. Et je vais faire de mon mieux pour apprendre de mon max, du coup, sur la culture étrangère, afin de pouvoir avoir davantage de... comment dire, davantage de chances de me sociabiliser avec les gens, voilà. En tout cas, de le faire plus facilement. Parce qu'en fait, ce qui fait que je suis assez timide IRL, c'est parce que j'ai peur de pas avoir des références, j'ai peur de, voilà, de rater un truc qui me pas... Parce que bah, forcément, il y a beaucoup de rêves que j'ai pas. Faut surtout regarder les nuls, les inconnus. Cad et Olivier, ou encore Nous c'est nous, côté français. En vrai, ce serait cool si je peux regarder des trucs en stream. Parce que peut-être que du coup, en stream, j'apprendrais beaucoup plus de choses. Mais du coup, j'essaierai de trouver, genre, la nuit de la culture.
C'est bien comme nom de concept, non? Je viens de penser au nom, ça me paraît assez original. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça peut être sympa, je pense. Y a absolument personne qui l'a fait sur Twitch avant moi. Je sais pas, ça peut être cool. La nuit de la culte avec Play. Why not, hein? Quand je dis son patrimoine, je parle du patrimoine francophone. Oui, je savais que tu parlais de ça, ouais. Qui sont la plus grande commu qui était accessible pour le moment, et aussi anglaise, pas que américaine. Oui, mais je veux dire, j'apprends d'abord la pop culture, ce qui va beaucoup me servir. Donc la pop culture, bah voilà, comme je disais, films, séries, etc. Et oui, après, me baser sur la culture globale. La culture globale, des trucs cons. Des trucs cons, mais des trucs cons que tu puisses retenir facilement. Donc, pour moi, la culture, ça peut être de retenir tous les rois de France, par exemple. Mais retenir tous les lieux importants, les lieux qui ont permis, je sais pas, des grandes avancées, les inventions, les dates clés, tu vois, les trucs importants. Toutes les innovations, tous les trucs, hein. Et tu regardes un jeu télé pour la culture générale, genre question pour un champion. Ah ouais, pas con. Pas con, moi je pensais à Slam. Non, Slam ça t'apprend pas... C'est bien Slam, mais voilà quoi. Pain, pas là. Moi ce que j'adorais regarder à l'époque c'était Harry. Harry. Moi j'adorais ça, sur France 3. Je trouvais ça très sympa. Je sais plus comment il s'appelle, celui qui présente Harry. Je sais plus comment il s'appelle. Parce que j'ai fait la pire course et je suis dans ton lobby. Aïe aïe, ouais, je t'ai vu en plus, ce petit fakir. Je t'ai vu dans ma room. Ah! C'est la mort. Sébastien Follant. Je vais le dire comme Sébastien Chabal. Je sais pas pourquoi j'allais dire comme ça. Sébastien Follant. Ouais, c'était ça, Sébastien Follant. Pourquoi je veux le dire comme ça, putain. Slam, c'est Cyril Ferro, oui, je sais. I know. Je regardais aussi beaucoup Slam. Et bon, comme je vous... Moi, ce que je kiffais le plus, c'était des chiffres et des lettres. Quand c'était les chiffres, je fais... Comment dire, j'essaie toujours d'avoir le compte est bon. Je sais plus c'est quoi. Qu'est-ce qu'il dit, je sais plus. Mais voilà, j'essaie toujours d'être bien au niveau des chiffres. Hagra. Oh, cette lettre, Hagra. Bah, anniversaire, merci Lambe, merci. Aïe aïe aïe, j'espère que ça va bien en passant. Salut, bienvenue à tous ceux qui arrivent sur ce stream. Ouais, on fête mes 21 ans aujourd'hui, ouais. Le compte est bon, ouais, ça. Bonjour, joyeux anniversaire, merci Charlot, merci. Et ouais. Mais ouais, je sais pas, moi ça me paraît assez important, je trouve, de bosser ça. Parce que mon père, c'est ce qu'il me disait aussi, lui, parfois au boulot, même si aujourd'hui il a un bon poste, etc., il est cadre, il me dit qu'il a quand même du mal, parfois, à s'intégrer à des conversations. Il voit bien la différence entre les générations. Donc là, ça, maintenant, je lui montre des animés. Donc les jeunes à son taf qui regardent des animés, ceux qui sont en alternance, quoi, il m'a déjà dit qu'il avait tenu une conversation sur Black Clover. Il a tenu une conversation sur Black Clover, apparemment, au taf, mon père. Il a 45 piges. T'as un cadeau qui te ferait plaisir, mon Jojo ?
vous avoir à mes côtés. C'est ça le plus beau cadeau, non? C'est rien que ça, c'est beau. Non mais t'inquiète pas, pas besoin de cadeau, mec. T'inquiète pas. Vraiment, j'en ai pas besoin. Déjà, vous avez beaucoup fait pour moi, ça m'a fait trop plaisir d'avoir partagé des moments durant le BTS. Et évidemment, on va rester potes en dehors, ça c'est évident. Et ça m'a fait déjà très très plaisir de... Mec, tu voles aussi les disquettes d'étoiles, c'est vrai, je sais pas, moi je regarde pas les streams d'étoiles, donc si je vole des trucs, ça porte, je savais pas. Bon. T'as le bill. Non, déjà, ça m'a fait très plaisir d'avoir partagé plein de moments avec vous durant ces années. Et votre présence était déjà le meilleur des cadeaux, mais voilà. Ce soir, je t'enverrai de belles photos de Manu, mon jeune kiss. Ah, ça, c'est un beau cadeau, ça. Non, en vrai, je suis désolé, j'ai pas d'idée. J'ai jamais d'idée, en fait. Là, j'ai une idée pour moi perso, mais elle coûte un peu cher, du coup, on va rien dire. Ça te fait combien? Ça me fait 21 ans, Francis. 21 ans. Et d'ailleurs, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Ça fait plaisir de te voir là, toi aussi. Monsieur Tass, ça fait longtemps que tu me suis sur mes streams. Hein. Quand je compte, ça fait longtemps quand même. Alors, bon. Oh, lui, il veut que je lui bouffe le cul. Ah, bon, bah, trop tard. HB Jolanou, merci Rafou. Merci, Rafouille. Plutôt. Merci à toi, BG Pan. Merci. Et ouais. Faut que tu consacres un temps où tu regardes tous les MP et tout hors stream des viewers. Oui, alors en fait, comme je dis. En fait, j'ai un autre problème avec ça. C'est que j'ai beaucoup de mal à répondre aux gens. En fait, je suis beaucoup plus oral que écrit. Mais ça a toujours été un problème hein, pour tout le monde. Je réponds à personne. Sauf quand c'est vraiment dans l'urgence, mais sinon je réponds jamais. Je réponds absolument jamais aux gens. Je suis un connard, je suis comme ça, mais c'est... Je sais pas pourquoi. J'ai peur d'aller voir mes messages privés. Mais... Véridique, hein. C'est comme une peur, c'est un... qu'est-ce que je veux dire? Peut-être une gêne ou je sais pas, mais j'ai du mal. J'ai du mal à aller voir mes messages et à répondre, je sais pas pourquoi. C'est con, hein, mais... Et pourtant, j'ai envie de parler aux gens, etc., mais j'ai ce truc de con en moi. Et ça fait plus de 10 ans. Ça fait plus de 10 ans que j'ai ça. C'est chaud quand même, mais... Moi, il me répond, on voit ses préférences. Toi, je t'ai répondu. Je sais pas. D'ailleurs, salut Copo, salut grand. Salut. C'est combien de temps que tu streams ça... Là, on est le 7 juin. Ça fait 1 an et 11 mois que je stream. Je vais bientôt fêter mes 2 ans de stream. Bientôt. Yo, bon anniv, merci Fruzasso. Merci. Aïe, aïe. J'espère que tu vas bien en passant. Après, pour les Américains, un chouïa cinéphile, par exemple, le cinéma de Besson est mythique. Et on est très loin d'Hollywood. Donc apprendre pop culture de ces pays inclut aussi une des œuvres de notre patrimoine. Ce que je veux dire, c'est que certains artistes, pour englober européens, font partie de la culture américaine ou autre. Oui. Alors oui, je veux bien te croire. Mais en fait, le but étant de tenir... En fait, je sais que t'as compris ce que je voulais dire. Si jamais tu veux quelques suggestions de films américains ou autres, parce que oui, malgré mon discours, c'est le ciné que je connais le mieux, n'hésite pas à demander. T'inquiète. De toute manière, je demanderai une liste précise. Et comme je le disais, si vous voulez, ça pourrait être un concept intéressant, ça serait de faire une grande liste.
ça serait de faire une très grande liste de tous les films, toutes les séries qu'il faut que je regarde durant mon année. Et que je fasse une liste du coup sur Excel. Et que je mette en fonction de ce que j'ai regardé, une petite barre ou quoi. Bref, ça pourrait être cool, je pense. Là, je te redis Manive ici parce que t'as pas vu sur le serveur. Si, t'inquiète pas, j'ai vu les messages sur le serveur, mais j'ai pas eu le temps de répondre. Sachant que mon employeur m'a lâché un peu plus tard, j'ai pas pu répondre aux gens. Tu peux pas juste retranscrire l'oral à l'écrit? Je peux pas savoir ce que ça fait exactement. Non, si c'était aussi simple, t'inquiète pas que je le ferais, mais j'ai vraiment du mal. D'ailleurs, ça, merci Michel. C'est bon, Yves, merci Sky. Merci à vous deux. J'espère que vous allez bien en passant. J'espère que ça va. Mais ouais, durant cette année, on va essayer de se développer, on va faire des choses. Voilà, essayer d'avancer ma culture sur beaucoup de domaines. Enfin, tout d'abord, comme je disais, les séries et les films, comme ça j'aurais fait le plus gros d'abord, et après on va se positionner sur plein de petits points, sur plein de petits trucs. On va faire au fur et à mesure, genre. Là pour Besson, vous comptez regarder des films d'horreur? Vous comptez? Ah non, tu parles, vous comptez, je crois que tu parlais pour moi du coup. Vous comptez regarder le film d'horreur Arthur et les Minimoys? Non. Ah oui, un truc que j'enlève aussi, c'est les films d'horreur, parce que les films d'horreur, je veux avoir zéro référence, sachant que j'ai la phobie de ça. Donc non. Et non, Sig, pas Les Feux de l'Amour, sachant que c'est la série la plus longue de tous les temps, je crois, Les Feux de l'Amour. Après, il doit y avoir la même version pour les Américains, peut-être, je sais pas, après. Donc ça doit être, ouais, peut-être l'une des séries les plus longues, en tout cas. Je passais pour le petit message, mais je vais souper maintenant, donc je ne reste pas. Mais t'inquiète pas, Michel. Bon appétit à toi, du coup, et à la prochaine. Bah là, pour vous dire, pour ceux qui quittent le live après, demain, je ne stream pas, et jeudi, je ne stream pas. Donc je reviendrai vendredi. Voilà. Même pas un petit exorciste pour l'initiation? Non, parce que c'est le film Exorciste qui m'a fait avoir cette phobie. Donc on va éviter, tu vois. Pourtant, un petit ça. C'est pas le même, ça. Barrefoot vendredi? Ouais, Barrefoot vendredi, par contre. Ça, oui, je suis obligé. On va poncer Mario Foot comme Jaja. Ça, ouais, c'est obligé. Si j'avais un film à te conseiller, c'est Inception. Si tu l'as pas vu, c'est une masterclass. Taisez-vous le chat. Taisez-vous. Je l'ai vu en plus, putain. J'étais trop jeune. Ah mais non, Inception... Ah non, je confonds avec un autre film, putain, quel con. Inception, par contre, faut que je le regarde celui-là, putain. Parce que je confonds avec un autre film d'horreur qui est le même, je crois. C'est à peu près la même chose. Mais non, Inception, faut que je regarde aussi. Excuse-moi. Je confonds avec Insidious. Je crois que c'est ça, je crois que c'est Insidious en plus le nom. C'est pas ça? Parce que du coup on parlait de film d'horreur, donc je me suis dit il me troll. Je suis désolé du coup. Unfollow. Je pense que j'ai unfollow ta chaîne, Adam. C'est dommage, j'aimais bien ton contenu en vrai, mais là ça m'a un peu dégoûté. Tu as vu tous les Tarantino? Non. Bah non du coup. Je vais même te dire à quel point j'en suis. Je suis obligé de regarder, de rechercher sur internet les films de Tarantino tellement que j'ai pas de... Je sais pas quel film il a fait au final. Allez, on va faire un petit tour de ces films.
Alors, Pulp Fiction, je l'ai pas vu. Once Upon a Time, après c'est 2019, je l'ai pas vu. Kill Bill, je l'ai pas vu. Inglourious Basterd, je l'ai pas vu. Django, je l'ai pas vu. Réservoir Dogs, je l'ai pas vu. Les 8 salopards, j'ai pas vu. Boulevard de la Mort, j'ai pas vu. Une nuit en enfer, pareil. Jackie Brown, etc., etc., etc. Bref. Il y a quoi que je... Qu'est-ce que j'aurais pu voir finalement? Ah si, Rock. Rock, c'est le seul film que j'ai vu avec Nicolas Cage. Oh là là, oh le truc que je veux pas voir. Oh là là. Non, pas ça. Dis ce que tu as vu, du coup, ce sera plus rapide. Je rachète, t'inquiète pas, petit Fakir, t'inquiète pas. Quoi, comment ça, t'as pas vu une Glorious Bastard? Mais je vous le dis, il faut que je vois. J'ai trop de films à regarder, j'ai trop de trucs. C'est pour ça qu'on se fera une liste en stream de tous les films et toutes les séries qu'il faut que je regarde. De tout ce qu'il faut que j'ai vu avant la fin de mon année sabbatique. On se fera ça, le chat. Et mon but en un an, ça sera de tout regarder. Gomme Fight Club, c'est pas déjà fait. Bah non, du coup. Bon, malheureusement, je connais déjà la fin. Je me suis fait spoil Fight Club, mais je regarderai quand même. Ah, flûte, bah ouais, c'est con, mais. Tu regardes Breaking Bad? Breaking Bad, j'ai tout regardé. J'ai tout regardé de Breaking Bad. J'ai pas tout vu encore de Walking Dead. Pas encore. J'étais mis en moto sur ma chaîne. Ah ouais, grosse utilité, mec. En vrai. Mais ouais. En vrai. Là, je vais avoir pas mal de projets, hein. Entre la chaîne YouTube. Parce que je vais essayer de me lancer sur YouTube quand même. Voir ce qu'on peut faire. La chaîne YouTube, essayer de me concentrer sur aussi ma culture, les streams. Ouais, j'ai pas mal de choses. Hein. Walking Dead, faut regarder les autres séries pour tout comprendre. Comment ça, faut regarder les autres séries pour tout comprendre? Mais il y a trois séries. Il y a trois séries The Walking Dead. Merci, merci Adam pour toi d'être avec deux personnes. Incroyable, mec. Incroyable. OMG, je viens du raid. Joyeux anniversaire. Merci, merci en tout. Waouh. J'espère que ton stream était bien, Adam. J'espère que c'était bien. Walking Dead, Fear the Walking Dead et la troisième, je sais plus le nom. Ouais, c'était Fear the Walking Dead. Et après, ils ont ressorti une autre série. Mais apparemment, l'autre série. Pas foufou. Pas foufou à skip. En fait, ça dépend quel est l'objectif. Agrandir ta culture et principalement ce qui est le plus regardé, c'est ça. Ou aussi ajouter à ça les œuvres que notre génération a tendance à oublier parce que ça peut sembler un peu plus vieux au premier abord. Je parle pas de noir et blanc, bien plus récent, t'inquiète. Non, mais je sais. Je sais bien, mais. Premier conseil de film, mais donc là c'est un grand film, un des plus grands, mais pas au nombre de places vendues, c'est 12 hommes en colère. Ok, celui-là est en noir et blanc, et aussi pour contraster, The Blues Brothers, comédie intemporelle sur fond de Ray Charles et Aretha Franklin. Franklin, je sais pas du tout comment dire. Pourquoi j'ai dit Franklin? Franklin. Je pense que ça parle de Fear the Walking Dead, mais il n'y a pas besoin de regarder Fear en vrai. Mais du coup, pourquoi regarder Fear the Walking Dead ou même l'autre série pour pouvoir comprendre The Walking Dead? Je comprends pas.
Alors que je réussis assez bien à comprendre The Walking Dead avec ce que j'ai comme information pour l'instant. Ou alors c'est pour comprendre. C'est pour pouvoir comprendre d'où sont venus les zombies, etc. Mais dans ce cas-là. Je sais pas. C'est pour avoir toutes les réponses apparemment. Bah, tu vois, je préférerais. À la limite, pour regarder des spoilers plutôt que de me mater du coup les séries off. C'est un peu comme. Ou alors ce sera la seule exception que je pourrais faire. C'est pour Breaking Bad. Regardez la série Soulsman. Soulsman, je sais pas comment ça se dit. Putain, c'est quoi son nom déjà? Et regardez la série secondaire de Breaking Bad. T'es un Soulman. Hein. Ça m'a rappelé une musique. Je sais pas s'il y en a qui l'ont. Better Call Saul, c'est ça. C'est ça, ouais. Parce que là, j'étais en mode. Je suis qu'un Soul Man. Écoute ça, baby. Je suis pas un Superman. Loin de là. J'avais ça en tête, genre. Je sais pas pourquoi. Faudrait des Stargate, pardon, SG1. Ouais. Ouais aussi, ouais. Stargate, SG1. Mais tu vois, toutes les séries comme ça dont j'ai pas les références. Je veux voir ça. Je vais aller dîner, c'était très sympa de discuter. Encore joyeux anniversaire. Bah, pas de soucis, Kaiser. Pas de soucis, bon appétit à toi, je vais y arriver. Et du coup, peut-être à vendredi, qui sait. Ben l'oncle Saul, MDR, ça va, t'as des rêves musicales, ça va, ouais. Ça va. Encore en rêve musical, faut juste que je me souvienne des noms, parce que les noms, j'ai beaucoup de mal à m'en souvenir, mais ça peut se faire rapidement. Une fois que j'apprendrai tous les noms, qui a fait quel album, etc., ça peut le faire. Et t'es en train de faire quoi? Je discute. Je discute de... En plus, c'est mon anniv. Bah je discute, voilà quoi. Je vais enchaîner un petit coup avec un petit colonel Riel. Un petit coucou bande de nouilles. Faire des tubes sans dire un mot, sans dire un mot. Mis à part coucou bande de nouilles. Putain c'est... Cette musique quoi. On rigole, mais c'est des musiques avec lesquelles on a grandi malgré tout. Hein. T'as deux numéros différents qui m'appellent. J'irai check ça après. T'as vu la vidéo de Seb sur cette musique à l'époque? Pas du tout. J'ai pas du tout vu la vidéo de Seb. Ah si, ah putain. Bah parce que je me souviens de la vidéo sur Mr. JD. C'était Mr. JD. Qui a fait une bonne parodie je trouve à l'époque. Et la vidéo de Seb Lafrite, je m'en souviens plus, putain. Oui, je dis Seb Lafrite pour que les gens comprennent bien. Et merci Ambrose pour ton 4e mois d'abonnement. Joyeux anniversaire Play, merci à toi, merci, merci. Aïe, aïe. Mais s'il n'y avait pas ces histoires de copyright, il y aurait moyen de vous faire remonter le temps comme il faut. Et de créer la nostalgie. Parce que je serais le genre de mec, en début de stream, même en fin de stream du coup si je pouvais, à mettre des vieilles musiques françaises. Genre l'horloge tourne ou des trucs de merde comme ça, tu vois. Mais des trucs qu'on a kiffé. Après l'horloge tourne, c'est une bonne musique toujours. Fuck le copyright, fuck. Attends, même moi qui ai zéro viewer, qui ne stream pas. Je peux faire un raid. Ah oui, mais tu le verras. Le raid apparaîtra pas. Le Pera Rock. À sa symphonie, ouais, par exemple. Ou t'as tout moi aussi.
Ok. Dam dam deo. Oh wow. Faut un viewer au moins. Non, parce que je crois qu'un viewer aussi, je l'ai enlevé. Un viewer, tu peux pas. Mais non, en vrai, c'est fou les. Je connais tout, je me sens cultivé. Waouh. On n'est pas cultivé sur ce stream en fait? Crap, putain. Non, mais c'est cool. C'est cool, c'est cool. Disons que. Mon anime, franchement, bah là, je stream, tout se passe bien. Quoi, elle est chez Nagi? Bah, je connais bien les paroles en plus, mais bon. Y a plein de musiques françaises pour lesquelles j'ai pas les paroles, quoi. Non, franchement, mon année s'est bien passé, tout ça. Il me reste encore quelques trucs. Allez, 2-3 trucs à régler de manière perso. Pour que tout soit bien dans ma tête et que je sois motivé vraiment à 100% dans tous mes projets. Voilà, sans qu'il y ait d'encombre ou quoi. Il me reste encore des détails à régler. Assez chiant. Très chiant. Puis après, voilà, quoi, on pourra faire... Je pourrais être à fond. Donc voilà, comme d'hab, je m'excuse si jamais durant cette année j'ai eu des coups de moins bien, etc. Même si je sais que c'est normal, c'est humain, etc. On s'excuse toujours, c'est normal. Bon anime play, merci Gabi. Merci, merci. Incroyable. J'espère que tu vas bien, toi d'ailleurs. Est-ce que la musique... C'est obligé qu'il y ait un copyright, mais j'ai quand même envie de voir. C'est du Vevo, donc normalement, oui, il y a du copyright. Putain, il y a du copyright. C'est chiant parce que je peux... Putain, la lettre aussi. Oh là 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 là. J'ai reçu une lettre hier, moi peut-être. Oh là là. Mais en nightcore au pire, non mais c'est dégueulasse. Qu'est-ce que tu veux que je mette une musique en nightcore? Nightcore, ça fait depuis 2014 que j'écoute plus ça, comment ça? Du nightcore. Si tu mets un extrait court, ça passe. Ouais, 3 secondes. Un extrait de 3 secondes, ça passe. Mais pas sûr qu'on prenne vraiment un max de fun si je mets un extrait de 3 secondes. Mais le TikTok remix. Ça existe un TikTok remix de la lettre, genre. C'est laquelle ta course préférée, piste musicale? Ma course préférée, Marty. Pam 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 pam. De Renolus, oui. Renolus, c'est con parce que tous les chanteurs comme ça, on n'en entend plus parler. Alors qu'ils avaient des bonnes voix, ils auraient pu faire d'autres bonnes musiques, mais non. Malheureusement, plus rien. Ou alors... Renolus, par contre. C'est Renolus, attends. Ouais, Renolus, pardon, excuse-moi. Je me souvenais plus du nom. My bad. Mais je pense que ouais, je vais être méconnaissable dans un an. Je déconne. Je déconne, je vais toujours être le même. Mais au moins, je vais avoir plus d'assurance. Je pense en tout cas que je vais en avoir un peu plus parce que je vais avoir plus de références. Et je vais arrêter IRL de faire genre Haha, ouais, je connais, je suis trop avec toi, quoi. Ouais, j'ai la ref et tout. Là au moins, je pourrais, ça sera un vrai oui. Là, ça serait bien. The Land, pourquoi on peut pas faire la strat tambour sur MK7? Je comprends pas. Eh, hey, s'il te plaît, tu peux le dire. Parce qu'on peut pas, c'est tout.
Quel gosse? Non mais oh. Bah explique maintenant. Bah on peut pas, c'est tout, il n'y a pas de strat tambour sur Mario Kart 7. C'est tout. Voilà quoi. C'est vraiment parce qu'il était. Il était où quoi? Il était où est toujours en couple avec la fille de Renault? Ah il était où est. Putain. Il était où est toujours en couple avec la fille de Renault. Oh là j'ai du mal. Ok. Pour moi c'était le où, genre où le lieu. Où est-ce qu'il est. Dans Google. Ronan Luce. Épouse. Lolita Séchant. Bon apparemment il. Ouais c'est. Non. C'est un peu mort apparemment. Attends. Renan Luce. Qu'est-ce qu'il a fait comme. Qu'est-ce qu'il a fait comme musique récemment, Renan Luce? Putain, 116 000 vues. Il a sorti des trucs récemment? Du bout des lèvres, 27 000 vues, il y a 2 ans. Putain, c'est triste quand même. Eh ben. C'est son palmarès, la lettre et la fille de Renault. C'est ça. C'est le seul palmarès. Et pourquoi ce Super Hopping, il est pas faisable humainement sur MK? Oui, putain. D'ailleurs, c'est Troy qui l'a présenté, ça m'a fait marrer. En vrai, j'ai hâte de voir. Les tasses qui. Peut-être qu'il y a déjà des tasses qui sont apparues de ça. Faut que j'aille les voir. Putain, mais Sig. Vous êtes pas possible, les gars. Bande de petits cons. Pas la la la, pas la la la. Je peux trouver les vidéos de TAS, du TAS de ça. Bah, j'ai toujours le. Oula, j'ai toujours le site internet. Le site, tu dis pas site internet, ça fait vieux. Ça y est, j'ai 21 ans, je commence à prendre les mauvaises habitudes. Non, j'ai le site où il y a tous les TAS. Tous les TAS de MKW. Donc j'irai voir dessus, sinon. Normalement c'est là. Et merci Otari pour ton follow, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tu vas bien. Merci, merci. Merci aussi DazPT pour ton follow, merci à toi. C'est une compile. Ah, c'est une compile carrément. Ok. Quand tu fais pour drift dans les airs, tu peux pas drift dans les airs. En fait, c'est juste que je suis dans un certain angle qui fait que t'as l'impression que je suis en drift en l'air. Mais c'est pas ça. Merci aussi Thomas Wenox pour ton follow. Merci à toi, j'espère que tu vas bien. Bonsoir tout le monde, bon anniversaire mec. Merci Agathe. Merci, merci. Agathe feeling. Mais ouais, du coup. Putain, 21 ans, bordel. Ça fait quand même bizarre, 21 piges. T'as c'est quoi, 3 minutes 19 de ça? Vous savez quoi, on peut se regarder la vidéo vite fait. On va finir le stream sur ça, je pense. Ça va bien, bon anniversaire, merci Thomas. Merci, merci. Alors, je le reprécise au cas où il y en ait qui se barrent maintenant. Mais même si là, vous allez voir un truc de dingue, je vous le dis quand même. Joyeux anniversaire, Play. Merci Daphné. Merci, merci. Merci aussi Dashi, bien sûr. J'espère que tout le monde va bien en passant. Je restream vendredi sur Mario Striker. Demain, je vais finir mes révisions pour mon oral. Et jeudi, j'ai mon oral. Voilà, donc pas de stream ces deux jours-là. Bah, hier ça, d'ailleurs, merci, merci, merci. Et ouais. Et du coup, vendredi, Mario Striker.
Donc, quelle heure vendredi? Vendredi, en vrai, je finis le taf. 21h, on peut se dire 21h, de toute manière, je vais tryhard. Peut-être essayer de jouer un peu avant, comme ça, comme ça, je vais voir un peu les touches, etc. Je vais tout revoir avant de rejouer. Je vais rejouer en solo, je veux dire. Et après, je vais stream à 21h avec l'air, ce serait cool. Une grosse session tryhard avec l'air vendredi, ça pourrait être sympa. Alors, attendez. On va se mater ça vite fait. On va voir. Ah oui, mais. Attendez. J'enlève le son ici, du coup. Voilà. Et on se met là et on va être good. Alors. Super Hoping Strat Compilation. Enjoy. Ok. Putain, c'est si beau! T'as regardé ses trajectoires. Oh! Ah oui! Non mais. Ça y est, le TAS, il a gagné 5 secondes sur le. C'est magnifique, putain. Et il enchaîne direct. Oh là 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 là. C'est de l'art, je trouve. C'est de l'art. Ah, il en fait là. Attends, là, il va shroom. Ah, je pensais qu'il allait shroom pour passer. Ouais, c'est un peu weird cette section-là. Oh là non, il va pas faire le. Ok, c'est cool. Oh, l'envol. Non! Oh putain. Il enchaîne. Il peut aller hors piste? Ouais, non, il peut pas aller hors piste avec le Fire Up. Ça, ok. Ah ouais, il Fire Up ici. Oh là 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 là. Oh, la vitesse! Ah oui, c'est le super grinding, l'autre strat, j'avais zappé le nom. Super grinding, c'est quand on reste collé au sol et que ça fait comme si on tremblait, genre. Ça te fallait beaucoup plus vite. En vrai, oh, y a moyen là. Il y a moyen d'optimiser, je suis sûr, parce que c'est. Pouvoir le faire que d'un seul côté, ça me paraît bizarre. Et là, tu peux le faire sur toute la ligne droite. Ah ouais, putain. Oh. Avec le petit boost. Oh. Non. Ça ne peut. Ça aurait été beau qu'il fasse une strat pour se retourner et faire le cut. Mais pour mettre ça en place, par contre. Ah, donc, ça, c'est la même chose qu'avant, je pense. Putain, ça a amené tellement de bonnes choses, ça. Alors, je précise que cette strat n'est faisable que via un logiciel. On peut pas la faire avec une manette. Comme ça, je le précise. Je le précise quand même. Hop. S'il te plaît, joyeux anniversaire à toi. Plein de bonheur. C'est aussi l'anniversaire de mon frère. Et bah, bon anniversaire à ton frère aussi. Et merci Sana pour le joyeux anniversaire. Merci à toi. Et ouais. C'est profond comme technique. Ah ouais. Ah ouais. Et merci du coup Alan. Merci mec pour ton abonnement de niveau 1. Merci gros. Merci, merci. Mais du coup, ça te dit jeudi? Ça te dit jeudi qu'on se fasse un petit Jurassic? Ça pourrait être cool, je pense. Comme ça va me permettre de me poser après mon oral. Ah, mais non, toi après, t'as ton oral le lendemain. Je sais pas en vrai.
Il se passe quoi dans le jeu pour faire ça? Je peux pas vraiment te dire ce qui se passe. Je pense qu'en fait, avec la... Parce qu'on peut faire ça, il me semble, qu'avec des motos... qu'avec des motos... Bah, qu'avec les motos que tu vois. Des motos qui font des virages en extérieur. Un peu comme des cartes, du coup. Tu peux faire ça qu'avec des motos. Et en fait, c'est, je pense, dans une certaine direction, quand tu fais gauche-droite, ça te fait aller de plus en plus vite, et tu fais que des sauts comme ça enchaînés. Ça doit être un truc du genre. Mais j'avoue que je connais pas assez le TAS hein, pour te dire ça. Je suis de repos, vas-y, bah si tu veux, hein, en vrai. Carrément. Carrément, carrément. Alors, je voulais juste vérifier une petite dernière chose et on sera réglé, je pense. Hop. Ok, nickel. Mais ouais, cette technique, j'ai hâte de voir ce qu'elle peut donner plus tard. J'ai hâte de voir. On dirait pas que c'est humainement quasi impossible, mais faut être trop précis et constant. En fait, je pense que selon les endroits, ça peut être possible. Il doit y avoir des endroits où tu peux réussir à enchaîner ou alors à créer le bug. Et du coup à te faire gagner, même si c'est que 500 millièmes ou une seconde, tu vois, c'est toujours ça de gagner. Pas pouvoir le faire comme eux, comme lui il a fait dans la vidéo durant 4 ou 5 secondes d'affilée, mais tu vois, le faire suffisamment pour que ça puisse te faire gagner un tout petit peu de temps. C'est peut-être possible. Yo, bon naïf, mec, merci Rascali. Merci, merci. Mais ouais, voilà. Coucou jeune, je te souhaite un très joyeux anniversaire. Merci GeoGeo. Merci mec. J'espère que ça va bien en passant. Mais voilà. Voilà le chat. Bon bah du coup, les amis, on va se retrouver. Enfin là, je vous laisse du coup pour ce soir. Demain, je le rappelle, pas de stream. Jeudi, pas de stream parce que c'est le jour de mon oral. Et je vais faire du coup une sortie avec mes potes au ciné, histoire qu'on puisse. Voilà. Histoire qu'on puisse se faire autre chose. Et vendredi, 21h, Mario Striker avec l'Alliance Rainbow. En tout cas, à voir si c'est possible ou pas, mais je pense que oui. Bonne soirée, t'as oublié le TT Lounge par contre. Oui, c'est vrai. Oh, au pire, bon, au pire, c'est quoi? Je vous le fais en stream sinon. Je vous le fais en stream et on verra les résultats vendredi. A voir si je fais le TT Lounge du coup la semaine pro, sachant qu'il y aura beaucoup de Mario Striker. A voir si je le fais, si je refais pas une semaine de pause ou pas. Après, le QMMKWI nous a prouvé que tant qu'il faut pas 500 inputs à la seconde, c'est possible humainement. C'est vrai. C'est vrai, ouais. D'ailleurs, point d'exclamation event, si vous n'êtes pas au courant de mon event. J'essaie de faire ça une fois toutes les 2 semaines. Un event contre la montre, bien évidemment. Mais voilà. Passe une bonne soirée d'anniversaire et un gros merde pour ton oral. Bah, du coup, merci pour l'anniversaire et puis je prends, du coup, pour l'oral. Voilà. Donc je croise les doigts pour mon oral, ça va le faire, je pense. Jusque-là, ça s'est plutôt bien passé. Là, je parle de mes écrits, de mes 2 premiers oraux. Là, j'ai un oral jeudi. Un oral qui me stresse beaucoup. Enfin, c'est le truc qui me stresse le plus parmi tout ce que j'ai eu. Donc on va bien voir. Du coup, passez une excellente soirée. Passez une excellente soirée. Ce matin, en me réveillant, j'ai pété une horloge. Oui, je l'ai vraiment pété, donc là, je vais aller la réparer tout de suite. Voilà. Voilà, comme un con, en mettant mon manteau, j'ai fait tomber l'horloge qui est dans le salon. Donc je vais aller réparer tout ça, hein. C'est énorme. Du coup, je vous laisse ici, parce que je suis un mec doué. Passez une excellente soirée. Un bon milieu de semaine à vous et à vendredi 21h pour du Mario Striker en mode tryhard. On va essayer, si on peut avec l'air, on va essayer d'être au top 1 mondial. Bon, on top 5 mondial, top 10 mondial, on va voir. Mais d'être dans le top mondial en tout cas. Bon, naïf pense à non play. Et oui, c'est tu t'es un peu trompé de stream quoi, mais c'est pas grave après. Voilà. Non, ouais, salut les potes, passez une bonne soirée. Ciao, ciao, bye bye. Non, pas de raid du coup, je suis désolé. Arrête la prochaine fois. Bye BG, ciao ciao. Ciao ciao Polo, pardon. Bon anniv, merci, merci, merci. T'as fait un live pour préparer le TT Lounge Promenade Toad? Non. Enfin, non, non, j'en avais pas fait, non. J'en ai parlé vite fait, mais je l'ai pas fait. Allez, bonne soirée à vous, à vendredi pour du Mario Striker, ciao ciao, bye bye.